Bonjour à toutes et à tous. Comme on dit, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc ce soir, une vidéo pour vous présenter le nouveau venu sur notre projet. Donc j'étais très embêté pendant les fenaisons avec mon autre tracteur, avec mon universal. Et on m'a prêté un petit sommeca. Donc la personne y tenait, donc j'ai rendu le sommeca et j'ai récupéré celui-là. Alors celui-là, c'est un petit euh, Massey Ferguson, donc a dû être fabriqué dans les années 70. Je, je reviendrai dessus euh, plus en détail. Donc ce petit sommeca bah, il est équipé normalement d'une fourche que je vais récupérer. Et il y a quelques travaux à faire dessus. Comme vous avez pu voir, le siège est à changer. J'ai des petits problèmes de feu. Euh, faut que je remette une batterie dessus. Là, j'ai une batterie que j'ai pris qui me sert normalement à pompe à gasoil. Euh, voilà, il y, a les, il y a les rotules ici sur les, les barres de levage qui sont... Il faut que je change les barres parce que les rotules sont abîmées. Je vais récupérer aussi le système d'attelage arrière parce qu'il y a un, un système d'attelage qui permet d'accrocher une remorque autre que celui qui est en bas, il y a un système haut, qui se clipse là sur la barre qu'on voit derrière le, le troisième point et qui prend appui, il y a les traces dessus sur le carter. Alors, ce qui est marrant, bah, c'est les boîtes à outils. Sur celui-là, il a des boîtes à outils euh, dans les ailes. Il y en a une dans chaque aile. Euh, sinon, il a un système de relevage correct qui fonctionne très bien. Il a trois points de, de prise hydraulique. Donc un ici, un deuxième qui est ici, et un troisième, voilà, qu'on voit ici. Bon, il y a quelques bosses. Hein. Il a l'âge de ses artères aussi. Les pneus sont en super état. Euh, J'ai quelques problèmes d'éclairage dessus. Voilà, dans l'ensemble, c'est un bon truc. Alors, c'est pour vous dire que ben, ça sert à rien d'acheter des gros tracteurs neufs. Euh, il faut les dimensionner par rapport à, à ce qu'on a. Donc, celui-là est en deux roues motrices. Euh, il est sans cabine, ce qui va me permettre d'aller euh, dans les allées de châtaigniers et dans les sous-bois sans être embêté. Il a aussi ici ben, ce qui reste, vous voyez, d'une d'un système de faucheuse euh, à section qui se mettait en dessous. Hein. Ici, en dessous, là, on voit les points. Alors, si je la trouve, ben, je la trouve, tant mieux. Si je la trouve pas, ben, je démontrais tout simplement le, le système à section. Après, oui, ben, il y a quelques travaux. Hein. J'ai un très gros jeu au niveau de la direction. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc, ben, j'ai des rotules à changer. Euh, j'ai des rotules à changer euh, sur les barres de direction. On pourrait aussi le passer en direction assistée, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin en gros, il y a, je dis, 400 à 500 euros de, de pièces pour vraiment qu'il soit refait en état. Puis après, ben, on peut s'amuser, refaire une peinture, des choses comme ça. En tout état de cause, ben là, il est apte à travailler. Hein. Il bouffe un peu d'huile. Voilà, il y a les, des petits trucs. On n'a pas du matériel neuf, hein, pour pas cher du tout. Mais on a du matériel, surtout, qui est dimensionné à son projet. Ça sert à rien d'avoir un gros... Moi, ça ne me sert à rien d'avoir un gros quatre roues motrices... Euh, voilà, il ne me faut pas non plus un micro-tracteur. Il me faut des tracteurs euh, adaptés à mon projet. Donc celui-là en plus, ben, comme il est fait pour aller dans les bois, j'apprécie, c'est qu'il a un peu d'échappement bas. Donc je reviendrai beaucoup plus dessus en détail, sur euh, la cylindrée, sur le moteur, le fonctionnement, ce que je vais faire dessus aussi comme réparation. Donc je sais que j'ai beaucoup de choses en projet, il euh, y aura beaucoup de choses différentes en projet. Et puis je reviendrai, je vous parlerai au fur et à mesure ben, de ce que je fais sur le de ce que je fais sur le tracteur, sur l'entretien. Donc il a démarré au quart de tour, hein. ça faisait quelques années qu'il était stocké à l'extérieur. Et il a démarré au quart de tour. Donc des fois en regardant à côté de chez soi des trucs vraiment pas trop chers, euh, même qui sont, voilà, ils ne peuvent pas être neufs au prix où on les paye. Et puis il y a toujours un peu de travail. Et bien, on arrive à trouver des choses assez sympas. Sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. et Je vous dis à plus tard.